à tous. Donc, nous allons dans cette troisième et dernière session plénière discuter des enjeux de délibération et d'organisation, deux mots-clés évidemment et deux idées, de concepts au cœur hein, de, du mouvement et qui sont fortement en fait travaillés par les technologies numériques. C'est-à-dire, on se rend bien compte que, en fonction du type d'outils qu'on mobilise pour ces actions, eh on n'obtient pas le même type d'action. Et euh, cette question de comment on construit de la parole collective, comment on s'organise pour construire de la parole collective et porter un certain nombre de messages euh, a fortement trouvé de l'écho dans le mouvement et on a euh, donc le plaisir d'avoir euh, réuni à la fois donc euh, des acteurs et, et donc des, des chercheurs et pour euh, essayer de, de nourrir le débat tout en tenant le timing. Assez serré au vu du, du nombre de participants. Ce qu'on a décidé collectivement de vous proposer, c'est peut-être d'alterner les prises de parole et d'essayer d'être dans une logique où, on, où un intervenant sur deux sera plutôt quelqu'un acteur et plutôt quelqu'un chercheur à la suite. Donc la consigne à, à mes camarades sera donc de, de tenir un timing assez serré aux alentours de, de cinq minutes chacun pour qu'on puisse essayer de garder un minimum de temps de, de discussion avec la salle. Donc Louis, sans plus tarder, je te laisse la parole euh, sur ces enjeux, donc justement de comment en fait les choix d'outils, comment la, la question de l'équipement numérique travaille euh, la question de la, la construction d'intelligence collective et, et de l'organisation. Merci. Bonjour. Alors, je m'appelle Louis. Je travaille pour la société Carte au Débat, qui est une plateforme de participation citoyenne qui a été créée à partir de travaux du CNRS et on a réalisé, euh, dans le cadre du grand débat national, une mission pour le Conseil de développement durable de la métropole du Grand-Nancy. Alors, en termes d'organisation, il y avait d'abord l'idée de s'appuyer sur les liens existants, hein, donc euh, les réseaux de tous les membres du Conseil de développement, notamment pour définir ce qu'on a appelé les modalités du débat. Euh, bon, il fallait une intention quand même au départ. Et cette intention, elle a été euh, énoncée de la manière suivante euh, par euh, Dominique Walck, qui est le président du Conseil développement durable du Grand Nancy, qui dit tout cela donc en parlant des thématiques euh, fermées et euh, de la plateforme qui avait été choisie où le débat n'était pas possible euh, pour sembler insuffisant, alors que la période se prête à une véritable mise à plat des visions des uns et des autres sur le projet de société. Ça, c'était l'intention un peu qui présidait à, à la manière dont les débats ont été organisés. Et alors, on a commencé par définir les modalités avec les acteurs du territoire, notamment des groupes de gilets jaunes locaux, de manière à ce qu'ils eh puissent rejoindre les, euh, les débats euh, qui étaient dans des MJC euh, de manière officielle. Euh, et puis, euh, éventuellement, essayer d'aller. Vers les publics qui ne participent pas spontanément, c'est-à-dire ceux qui ne viennent pas au débat. Et on a travaillé avec euh, des radios locales, notamment. Radio Caraïbe à Nancy, bon, euh, ils ont fait un travail remarquable, euh, justement, pour aller dans euh, euh, une banlieue en particulier. Euh, on a défini ensuite ce qu'on appelait des protocoles de restitution. Donc, notre objectif, euh, c'était de garder une trace de ce qui, se, ce qui avait été exprimé. Et euh, on a, avec euh, donc euh, en particulier les euh, fonctionnaires euh, du, du Conseil de développement durable, participé en soutien à l'animation de, de débats locaux qui ont été enregistrés et retranscrits sur la plateforme. Le principe de la plateforme, c'est toujours s'appuyer sur euh, des rencontres présentielles pour ensuite les prolonger en ligne, hein, avec une idée de, de, de continuité et de ne pas avoir une coquille vide quand on lance des débats. Et le travail qui a été fait par la suite, c'était ce qu'on a appelé une analyse critique, donc, en particulier avec Hervé Marshall, qui est un sociologue à l'Université de Bourgogne, et Elodie qui est soci... euh, sémiologue, et bien sûr euh, bah, les membres du, du, du Conseil de développement. Et donc il y a une hypothèse qui a été formulée pour analyser euh, et interpréter euh, les données, et puis ensuite, une bibliothèque de TAC pour qualifier l'ensemble des contributions, ce qui nous a permis de produire une, une synthèse. Et cette synthèse, euh, elle a été euh, donc, euh, présentée à, à l'ensemble des, des participants. Et elle a fait notamment euh, deux étapes, on va dire, intermédiaires. C'est ce qu'on a appelé la fabrique, la manufacture des solutions, où, euh, donc, avant le, le, le rapport du 15 mars qu'il fallait envoyer, euh, on, on s'est réuni pour euh, présenter un peu la, la synthèse de tout ce qui avait été dit et puis euh, sortir des propositions qui ont pu être passées au vote majoritaire sur la plateforme. Euh, si on, je dois essayer de, de faire une conclusion, euh, les, les propositions qui ont été présentées c'était à l'échelle euh, long, moyen et court terme et en identifiant. Euh, donc il y a eu beaucoup de propositions à l'échelle internationale, nationale, locale, mais bon, comme il s'agissait euh, d'une démarche territorialisée, euh, c'était un des objectifs de pouvoir s'appuyer sur, sur des données euh, qui correspondent à un territoire et qui puissent être interprétées par les experts du territoire. Hein, on ne sait pas du tout les mêmes configurations euh, suivant les, les divers lieux où on se trouve, et en particulier dans l'Est. Euh, donc euh, c'était ça le, le, la démarche qu'on qu a essayé de, de mettre en place. Merci Louis. Euh, donc on voit bien hein, tout l'importance d'avoir euh, mis en place une, une procédure à la fois très organisée pour construire la, dis la discussion collective et en même temps extrêmement ancrée dans les territoires. Michael, on va te passer la parole pour euh, Culture RIC. Cinq minutes c'est court. Cinq minutes, c'est court. Mais l'idée, c'est évidemment, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises ce matin, de pouvoir ensuite approfondir en atelier. Euh, bonjour tout le monde. Merci Igor encore pour cette organisation et tous ceux qui ont participé. C'est parfait. Euh, alors, culturique en cinq minutes. Wow. Euh, D'abord, faire du lien, du lien avec la, ce qui s'est dit ce matin en première session et deuxième session. Euh, J'ai essayé de résumer rapidement. Qui dit le mainstream et les automédias ont besoin de coopérer pour peut-être mieux exercer leur contre-pouvoir. De, euh, de, de contre, contre Donc ça, c'est un premier point qui à nous nous plaît très fort, puisque ça a été clairement identifié il y a à peu près un an aussi chez nous. Euh, créer un média qui soit capable, euh, puisque nous on parle du RIC, euh, un média qui soit capable d'informer autour du RIC et de façon plurielle, et Dieu sait s'il y a des infos autour du RIC. Euh, ensuite, euh, la deuxième session, parler d'un problème de représentants. Entre euh, ceux en ligne, ceux dans les ronds-points, et le lien à créer entre euh, ces personnes-là pour faciliter les échanges. C'est exactement une des actions clés que l'on a aussi identifiées. Alors, sur les constats, quelques chiffres vite faits. Euh, on, on a constaté euh, dans, le, dans le groupe que euh, le mouvement a une volonté manifeste de, de s'organiser euh, horizontalement et de façon transparente. C'est. Un des fonda... Ce sont des fondamentaux que l'on a constaté. Ensuite, il <coughs> y a euh, le constat cruel que toutes les revendications, quelles qu'elles soient, y compris euh, celles du RIC, euh, ben, se heurtent à un problème de représentativité ou de légitimité. C'est un constat. Alors quelques chiffres euh, dans le domaine pour la revendication du RIC. Hein, euh, 36 formes de RIC existent à l'étranger et pas une seule euh, en France. Euh, pas euh, officielle, il hein. n'y euh, en a pas. Euh, 73% de l'opinion fa est favorable euh, à l'idée du RIC, plus ou moins 10%. 45 propositions de fonctionnement de RIC imaginées à l'échelle du territoire, c'est-à-dire qu'en gros, on a inventorié à peu près 45 propositions de fonctionnement de RIC, plus ou moins abouties. Objectif RIC en euh, a... Euh, euh, fait euh, euh, <coughs> son objectif aussi. Euh, ensuite, euh, quelque chose de très euh, perturbant, lors des, lorsque le RIC est apparu dans le mainstream, zéro, c'est un chiffre, zéro expert à la télé. Pas un expert du RIC à la télé. Pendant que tout le monde débattait sur le RIC. Euh, 700 000, c'est les signatures euh, que... Euh, c'est le chiffre qu'a annoncé les médias, les mainstreams, pour.. Euh, Dire que c'est autour de ce chiffre que devrait fonctionner un RIC. Donc pourquoi les mainstream ont-ils bombardé ce chiffre et pourquoi l'ont-ils simplifié aussi C'est des questions à se poser vraiment. Et 300 000, c'est le chiffre, le nombre de signatures obtenues par les pétitions sur le RIC et elles stagnent depuis un an. Ça stagne. Alors pourquoi voilà. voilà pour les chiffres. Alors les problématiques, les problématiques que l'on a rencontrées. Euh, c'est pourquoi ça stagne, effectivement, euh, c'est des pétitions, pour qu'on en est là. Euh, comment informer le peuple euh, sur la problématique du RIC pour qu'il puisse se faire une opinion euh, personnelle et non influencée. Euh, ensuite, comment relier les personnes favorables au RIC de façon pertinente. Euh, autre problématique, comment faire émerger l'intelligence collective entre tous les acteurs RIC. Comment construire une proposition de fonctionnement de RIC qui soit représentative de la vie du plus grand nombre Et surtout, comment prétendre être légitime dans une telle démarche Comment faire en sorte que cette proposition de fonctionnement de RIC, une fois trouvée, ne soit pas spoliée, utilisée par de mauvaises intentions Et euh, quelle stratégie d'instauration Les... Alors, les idées et mises et actions. Développer un outil d'information. On a développé un site internet qui s'appelle culture-ric.fr qui a vocation de réunir toute l'information autour du RIC, y compris tous les acteurs. Donc, c'est créer un média RIC. Ça correspond aussi à la, première, à la thématique de la première session. Ensuite, développer un réseau d'acteurs capables de répertorier et faire s'échanger librement les transmetteurs d'infos entre le local et le en ligne. Ça, c'est une carte répertoire. C'est un outil qu'on a développé avec ce qui existe. Ensuite, une plateforme vocale d'échange en ligne, c'est-à-dire créer un atelier en ligne et pas que en, euh, pas que en locaux, pas que des groupes locaux. Et ceci correspond à euh, une réponse entre euh, comment faire pour faire du lien avec les transmetteurs des groupes locaux qui viendraient en ligne transmettre leurs informations et ils viendraient piocher en ligne pour redescendre l'information. Voilà euh, des solutions envisagées. Euh, ensuite, développer une méthodologie de recherche propre et faire converger les acteurs RIC sous un même label. C'est-à-dire pouvoir euh, euh, faire avancer l'idée du RIC et c'est un peu la même idée que pour les médias mainstream et les automédias. Euh, si on ne coopère pas, eh bien on ne pourra pas être efficace. Dans la nature, euh, un lion face à un buffle, il le bouffe. Euh, deux, trois, quatre, cinq buffles, le lion se casse. Donc La coopération est une réelle et très sérieuse piste à envisager dans notre situation. Merci beaucoup, Michel. Et sur cette question, donc, qu'on voit monter d'organisation, de discussion, de coopération. Peut-être Nicole pour la COP des Communs, si tu pouvais rebondir et réagir. Merci. Donc moi je m'appelle Nicole Alix et avec d'autres j'ai créé une association qui s'appelle la COP des Communs pour faire le lien entre les formes d'organisation collective un peu plus traditionnel que on nous retrouve sous le chapeau de coopérative de mutuelle d'association avec les communs et pour arriver à comprendre ça, euh, on travaille beaucoup sur des modes de recherche-action dans des groupes de travail entre chercheurs et, et acteurs. Alors, euh, j'avais compris que je réagissais moi euh, à des propos qui étaient plutôt tenus par euh, les gens qui étaient euh, du côté de l'action. Et euh, d'ailleurs, j'ai eu la consigne qui m'a été donnée tout à l'heure. Mais bon, je veux bien dire moi ce que je, comment je, comment je réagis. Moi, euh, J'étais un peu témoin sympathisante des Gilets jaunes, mais pas plongée dans l'action, donc on ne peut pas être dans toutes les, les actions. Donc moi, je dis que du point de vue de l'action collective, de ce que moi je connais de l'action collective à capitaliste, et du côté de la recherche et de la pratique des communs, ce qui serait vraiment intéressant, c'est de continuer dans un travail euh, de meilleure compréhension des questions que vous vous posez vous dans l'action enfin vous oui, l'action que, que les Gilets jaunes se posent au, au quotidien et pour savoir qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble parce qu'au fond ces questions de, de la délibération ces questions de comment est-ce qu'on s'organise c'est souvent des c'est souvent des impensés et c'est d'autant plus des impensés quand il ben, y a de la pression du temps de, de, de du, du, du temps temps rapide et puis euh, euh, cette question aussi je pense de la médiatisation qui a été souvent évoquée ce, ce matin donc nous c'est ça qu'on essaye de faire comment est ce qu'on apprend ensemble et pas uniquement pour nourrir de la recherche mais aussi pour servir euh, pour servir les acteurs donc euh, c'était la, la, le terme de Igor ce matin. Quelle puissance d'action avec de nouvelles technologies Quels moyens d'action Moi, je traduis ça par comment on fabrique de l'action collective en, en démocratie. Et c'est pas qu'avec des outils technologiques qu'on fabrique ça. Parce que par exemple, il y a plein de choses qui n'ont pas été forcément euh, euh, développées, qui ont été évoquées. Par exemple, ce qui, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est de creuser ce qui se passe, euh, enfin le rapport entre ce qui se passe. Dans les ronds-points, dont euh, certains ont dit que c'était des ateliers, c'était des dispositifs d'auto-formation, c'était les gens euh, euh, créent de la fraternité. Donc, euh, j'imagine que euh, ça a quelque chose à voir avec le démarrage qui était euh, des gilets jaunes, qui était aussi euh, pour... Enfin, qu'on arrête de nous prendre pour des cons euh, à croire tout ce qu'on nous, qu qu nous raconte et, et à une mobilisation contre une certaine forme de, de mépris. Donc, comment est-ce qu'on a des dispositifs de, dans le temps, on disait éducation populaire, qui se, qui se, qui se développent dans ces, euh, ces ronds-points et comment c'est lié avec tout ce qui a été évoqué de euh, pression sur euh, comment challenger les médias, etc. Bon, donc, il faut aller vite. Moi, je voudrais juste citer trois, quatre points sur lesquels je trouverais intéressant euh, de creuser. Alors, peut-être que c'est dans les ateliers, peut-être que c'est à d'autres euh, occasions. Nous, on est toujours euh, partant à condition qu'on ne mette pas la barre euh, plus haut que ce qu'on est capable de franchir. Euh, je trouve qu'on n'a pas suffisamment parlé de co comment est-ce qu'on conduit une action collective à... Alors je ne sais pas comment il faut dire, un capitaliste, enfin collective, euh, dans un contexte de nouveaux marchés de l'information, parce que les marchés de l'information ils sont captés et ils sont captés de façon euh, quand même tout à fait prégnante par un certain nombre de médias. Alors Benjamin Coria a évoqué ce matin la question des plateformes, c'est un sujet, mais ça va bien plus loin parce que d'ailleurs, comment il s'appelle, Maxime Nicole a dit, bah, les logiques de, de, de réseaux sociaux, soit ça prend, soit ça ne prend pas. Alors comment on fait pour aussi promouvoir des trucs qui ne prennent pas sur les réseaux sociaux Parce que ça, j'imagine que vous avez peut-être rencontré ce genre de questions. Après, pour moi, il euh, y a des questions sur euh, les, les outils. Euh, comment est-ce qu'on renforce les processus d'auto-formation sur les ronds-points euh, Comment est-ce qu'on développe les sens critiques Parce que moi, je connais des gens, par exemple, qui reprennent des concepts qui ont été développés pendant la résistance par les gens qui ont ensuite donné naissance au mouvement d'éducation populaire pour arriver à faire la différence entre des faits et des opinions. Il y a de plus en plus de gens qui, enfin bon, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, qui croient que les opinions c'est des faits. Euh, moi, j'aimerais bien aussi savoir pourquoi Kroll c'est Kroll. Il y a qui, là il y a qui là Qui sont les acteurs qui font que euh, Kroll devient Kroll et puis euh, Maxime Nicole devient de Maxime Nicole et, et encore d'autres personnes deviennent ça. Ça, c'est des processus, je trouve, euh, qui sont intéressants à euh, interroger pour savoir qu'est-ce qui favorise la cohésion, qu'est-ce qui favorise la création du commun. Qui euh, comment s'élaborent les règles du groupe euh, J'ai fini. Euh, comment s'élaborent les règles du groupe Qui en est euh, le, le garant Parce que euh, dans les communs, on a bien vu que euh, les règles de gouvernance sont extrêmement euh, importantes. Quelles sont euh, les logiques à creuser de logiques d'autorité dans des dispositifs horizon horizontaux. On a, on a raison de critiquer les euh, logiques verticales, mais les logiques horizontales, sans faire adhérer, sans processus qui permettent de faire avancer le schmilblick et de savoir, le groupe, il était là à un moment, il veut peut-être avancer d'un cran, comment il fait Ça, c'est important. Et, euh, dernier point dans la COP des communs on a un groupe qui a travaillé sur les questions de commun et démocratie c'est sur notre site, on n'a pas grand chose sur notre site parfois mais on a ça et je vous invite à regarder et notre ami là qui va parlera après après euh, de l'Assemblée des communs du Nord aussi, c'est que j'étais venue vous interroger et moi ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était euh, c'est quelqu'un de ma génération. Alors vous êtes tous plus jeunes que moi ou presque. Euh, c'était cette logique de euh, comment dire apprendre par l'action euh, et euh, décider par l'action sans forcément attendre le processus démocratique et c'est en favorisant l'action qu'on se corrigerait les uns les autres et alors du coup pour moi c'est pose la question de savoir euh, ben comment est-ce qu'on sait qui a raison quoi est-ce que c'est on est obligé d'être là pour forcément tout le temps témoigner du fait qu'on a quelque chose à dire euh, comment est-ce que ça fait euh, dans les ronds-points et dans les actions des gilets jaunes par rapport à ceux qui sont pas dedans voilà j'ai puis j'ai toute une autre série de questions mais je les garde Merci Nicole pour toutes ces questions qui ouvrent quand même un, un horizon, un, d'enquête Qui ouvre en tout cas un, un horizon d'enquête, un horizon réflexif euh, euh, très intéressant. Et j'espère que Pierre-Yves ça donnera l'occasion euh, de rebondir, euh, peut-être aussi au vol et d'attraper. Euh, euh, un ou deux éléments. Euh, je vais même essayer d'en attraper plus que ça en cinq minutes. Euh, moi, je voudrais repartir de, de deux phrases fortes. Il y en avait beaucoup ce matin, mais deux phrases de, de Fauzi euh, ce matin qui disaient euh, Ce qu'on veut, c'est reprendre le contrôle et la parole est libre. Et euh, pour ça, je vais préciser d'où je parle. Donc, moi, je, je m'appelle Pierre-Yves Gosset, je suis directeur d'une association qui s'appelle Framasoft. Alors, ça sonne comme Microsoft, mais on est une association d'éducation populaire euh, aux enjeux du numérique. Et tous les mots sont importants. Donc, association, parce qu'on pense, et on est aussi militant associatif, on pense que euh, l'association fait encore partie des lois euh, qui sont euh, entre correctes et merveilleuses euh, dans le monde, euh, enfin dans, dans les lois françaises euh, aujourd'hui, et qu'il faut défendre euh, la loi de 1901. Éducation populaire. Je reviens pas dessus. Nicole en a parlé. Euh, C'est surtout la question du faire plutôt que. Euh, de parler, euh, enfin il faut évidemment parler, il faut réfléchir, mais il faut aussi faire, donc on fait des choses, euh, et en jeu du numérique, euh, là normalement je prends trois heures, donc je vais le faire en deux minutes, euh, qui s'est connecté au wifi dans la salle Levez la main s'il vous plaît. Donc, on va dire, en gros, plus de la moitié, 60%, 70%, vous avez utilisé probablement les logins, les mots de passe, etc., sans vous poser nécessairement la question de qui pouvait vous écouter derrière. Et du coup, nous, enfin, ça, ça me pose quand même deux questions. La, la, la première question, c'est celle de la surveillance. Les Gilets jaunes euh, sont euh, un mouvement qui est euh, réprimé, euh, et donc, euh, notamment euh, par la police, mais euh, plus largement, euh, par d'autres moyens. Et, et donc, euh, le, le fait de, de ne plus trop avoir de savoir de ce qu'est Internet et de comment vous vous utilisez Internet euh, pose un vrai problème. parce que Bernard Stiegler, s'il avait été là, aurait parlé de prolétarisation, c'est-à-dire qu'on vous a enlevé le savoir de savoir comment fonctionnait Internet. Et donc nous, on a dans nos objectifs beaucoup moins, enfin dit comme ça, ça paraît hyper ambitieux, mais dans nos objectifs, on espère pouvoir redonner euh, du, du savoir et du pouvoir aux gens en leur réexpliquant comment fonctionne Internet. Euh, la, la deuxième problématique que je vois euh, derrière, c'est que ce matin, on a évidemment beaucoup parlé de, de Facebook et, et, et d'autres outils. Alors nous, évidemment... Euh, en plus d'être légèrement anticapitaliste, on est carrément anti-GAFAM, donc Google, Facebook, Amazon, Microsoft, parce que ce que l'on perçoit derrière, et du coup c'est à la fois une opinion, mais on a des faits qui le prouvent, c'est que ces entreprises exercent des dominations. Euh, sur vous euh, et sur nous, enfin moi, je suis concerné aussi, hein, j'ai un téléphone avec du Android, donc euh, du Google euh, dedans, mais, mais ces dominations elles sont à la fois euh, techniques, elles sont économiques, et elles sont aussi culturelles. Donc quand vous êtes sur Facebook, Facebook vous, vous impose normalement d'être avec votre nom et votre prénom, ce qui n'est pas forcément l'idéal quand vous voulez monter une action de désobéissance, que ce soit ce gilet jaune ou que ce soit contre le climat. Donc la vraie question que nous on essaye de soulever derrière ça, et là, c'est mon côté, moi je suis, ben, je viens du, je suis économiste, mais, et, et, et du coup, forcément, j'ai un petit rapport au, au marxisme, un certain attachement, en tout cas au marxisme. Et, et donc la question derrière que moi, ça, ça me pose et qu'on qu se pose dans, dans l'association, c'est comment est-ce qu'on fait pour reprendre du pouvoir et, comme, et pour se réapproprier ces moyens de production et de, de diffusion euh, qu'est Internet. Et donc pour faire ça... Euh, nous, on est une toute petite association, hein. on est 35 adhérents, ça veut dire qu'on tiendrait tous sur un rond-point. Euh, et, et donc, le, le, ce qu'on a mis en place, c'est euh, notamment une campagne qui s'appelle Dégouglisons Internet, euh, qui visait à la fois à sensibiliser, à démontrer que, et aussi que le logiciel libre, alors j'ai malheureusement pas le temps de vous expliquer euh, tout de suite ce qu'est le logiciel libre, mais on fera ça en atelier avec, euh, avec Stéphane tout à l'heure, euh, que le logiciel libre était effectivement une façon. Euh, de répondre à cette problématique à la fois de domination et de surveillance, euh, que ce soit des GAFAM ou des États. Et donc on a produit euh, 38 outils, alors ça ne veut pas dire qu'on les a développés hein, tous, on n'en a développé qu'une partie. Oh, ça va, deux minutes, mais je suis hyper large. Tranquille, je peux reprendre ma respiration, vous pouvez reprendre la vôtre, tout va bien. Euh, on a produit euh, du coup un, une, une campagne qui, voilà, qui s'appelle « Dégouglisons Internet » et on a mis à disposition 38 outils différents. Donc vous avez, je ne sais pas, Framadat euh, si vous ne voulez pas utiliser Doodle, euh, Framapad si vous ne voulez pas utiliser Google Docs, etc. Tout ça est maintenu par une association. Dans laquelle, j'allais dire, vous pouvez avoir confiance parce que vous pouvez nous rencontrer. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont rencontré Monsieur Facebook ou Monsieur Google, mais au moins vous pouvez rencontrer Monsieur ou Madame Framasoft. C'est possible. Euh, et, et déjà, donc, y a, y a, ça avait été soulevé ce matin la question de comment est-ce qu'on peut avoir confiance euh, entre nous, mais aussi confiance dans les outils qu'on utilise. Et donc, voilà ce qu'on a essayé de, de, de mettre en place. Et le, le, la troisième chose qu'on essaye de, de développer, c'est que au niveau des délibérations à un moment donné enfin sur cette question de comment est-ce qu'on s'organise et comment est-ce qu'on délibère là-dessus je rejoins évidemment à 200% ce que vient de dire Nicole c'est comment est-ce que on est capable non pas d'avoir un seul acteur qui contrôle tout et donc nous, on n'a pas vocation à devenir le Google du libre. Donc venez pas me voir en me disant, il hey, faudrait développer ceci ou cela, parce qu'on ne le fera pas, on n'est pas suffisamment nombreux pour ça. Par contre, c'est comment est-ce qu'on se met en archipel, puisque c'était le mot euh, qui avait beaucoup été prononcé ce matin, euh, comment est-ce qu'on est capable de fonctionner en archipel, parce que souvent sur les ronds-points, euh, sur euh, les X personnes qui sont sur les ronds-points, il y a des personnes qui s'y connaissent un peu mieux en numérique. Et comment est-ce que ces personnes-là peuvent à la fois euh, en échangeant avec vous et en échangeant ensuite avec nous, euh, Comment est-ce qu'on peut coproduire des outils ensemble Et donc, on a coproduit euh, un certain nombre de choses, dont des alternatives à euh, YouTube, ou bientôt, euh, on espère, aux événements Facebook. Euh, et et l'idée, c'est de décémer, finalement, cette démarche, vraiment pour reprendre le pouvoir sur les outils numériques euh, qui, aujourd'hui... Enfin, euh, moi, ça m'inquiète un petit peu de savoir que la plupart des Gilets jaunes, aujourd'hui, sont dans des groupes Facebook avec leur véritable identité derrière. Voilà. Merci, Pierre-Yves sur cette question vraiment centrale de la souveraineté des outils numériques. Et euh, on laisse tout de suite la parole à Didier. Didier Fradin, si tu veux peut-être réagir aussi sur cette question de la souveraineté. Euh, je vais me poser la question, je vais voir. <laughs> donc Didier Fradin, moi j'ai appartenu à plusieurs euh, mouvements euh, collectifs euh, de démocratie, on va dire. Donc déjà Ma Voix qui, euh, qui s'est présentée aux élections législatives en 2017. Et puis à la suite de la petite ville de Saillant, euh, donc la belle démocratie qui s'est euh, beaucoup plus attaquée au local. Et je fais aussi partie d'un groupe qui s'appelle Commons Police et qui est en fait un groupe municipaliste euh, international. Voilà. Et je suis allé euh, à Commercy, donc, euh, parce que j'étais très intéressé par l'idée de la commune de co des communes, donc qui va au-delà de l'idée de l'Assemblée de des Assemblées. Et euh, donc de la, de la confédération, euh, parce que moi la, la fédération, c'est un mot qui me... Qui me traumatise gravement. Mais la confédération, par contre, est beaucoup plus intéressante, je trouve, de, de, de communes libres. Voilà. Et on en vient à la notion d'archipel. Moi, je suis un fervent, euh, euh, avec mes camarades ici présents, travailleurs de l'archipel, de la notion d'archipel. On en a beaucoup parlé ce matin avec Hervé Kempf. Toi, tu viens d'en parler. Framasoft s'est constitué en organisation euh, archipélique. Et donc, l'idée de l'archipel, c'est une idée d'identité. Il euh, y a des identités racines qui sont très fortes, donc euh, on voit bien que on, on a tous nos idées euh, politiques, sociales, voire religieuses, etc. Et c'est la confrontation. Quand on essaye de fédérer, le problème c'est la confrontation d'idées qui sont antinomiques. Alors qu'en fait, si on réfléchit bien, pour le commun dont on parlait avec euh, Nicole tout à l'heure, donc euh, qu'on a évoqué, euh, le commun. Général, en fait, c'est peut-être un peu comme la, la démocratie, même si c'est pas la démocratie. C'est la diversité, c'est la richesse, en fait, de la diversité de nos opinions, de nos méthodes, de nos, de nos ressources aussi, qui euh, peut être utile au commun. Et la notion d'archipel, c'est ça. On cultive, en fait, nos identités, euh, relations, les ressources qu'on peut mettre au commun, et on, nos identités, pardon, euh, racines. Euh, Et puis, on développe des identités-relations qui vont permettre de savoir comment on va pouvoir articuler euh, des groupes qui, a priori, n'ont rien à voir ou ne pensent pas pareil. Euh, comment est-ce qu'on va pouvoir les articuler de façon à ce que le commun euh, en bénéficie Voilà, c'est un peu ça la, la notion d'archipel. Et entre autres, donc, dans le... Moi, je vais être assez court, en fait. On, on, dans dans, dans l'année, là, à partir de maintenant, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'on peut relier plusieurs événements. Euh, internationaux, il va, il va se passer euh, euh, des choses à Naples. C'était, c'est quoi déjà d'ailleurs je ne me souviens plus. Merci beaucoup Didier. Euh, Peut-être pour rebondir sur cette question de, de l'organisation comme pour pour la reliance hein, pour le pour le lianage. Caterina, euh, est-ce que tu peux rebondir dessus Bon après-midi tout le monde. Je suis Caterina Froyo, je suis politiste. Je travaille sur l'action collective et, et les numériques. Juste un mot pour dire comment j'en suis arrivée là aussi. Euh, en fait, mes, mes travaux ont porté jusqu'à maintenant euh, sous l'extrême droite. Et au moment où on a eu les premières mobilisations des Gilets jaunes, j'étais assez frappée en fait, par les récits qu'on ont lisait dans la presse et dans les médias qui avaient tendance en fait, à représenter les Gilets jaunes comme extrême droite. Et du coup, euh, ce que j'ai décidé, c'était de commencer en fait, un projet des recherches sur les gilets jaunes pour essayer en fait, de comprendre de quoi il s'agit-il. Parce que je n'étais pas très convaincue par l'association plutôt simpliste avec l'extrême droite. Et donc c'est dans ce cadre-là que je mène actuellement un projet de recherche sur les gilets jaunes, notamment en partenariat avec euh, les Media Lab. Donc voilà pourquoi euh, je suis là. Et je voudrais donc essayer de ramener ma contribution à, aux réflexions qu'on que, qu a ouvertes ce matin. Déjà en remerciant les organisateurs, parce que c'est un très beau espace de dialogue et échange entre chercheurs, et activistes, et voilà. Et, et donc, je voudrais juste aborder un thème qui, euh, qui est ressorti à plusieurs reprises, mais que j'ai l'impression qu'on n'a pas, pour l'instant, assez croisé, que c'est la question, en fait, de l'usage et des usages des réseaux sociaux pour l'action collective. Interroger la question des usages des réseaux sociaux me semble très importante pour deux raisons. Non seulement parce que il joue un rôle qui, qui me semble être euh, indéniable lorsqu'il s'agit en fait de la construction de la parole d'un mouvement et donc la diffusion de la parole de ces mouvements vers l'extérieur mais aussi parce que en fait les usages des réseaux sociaux ont à faire avec la capacité de mettre en place l'action collective donc d'organiser les mouvements à partir du niveau local au niveau national, coordonner, etc. Et du coup, donc, ce que je voulais faire, c'était d'aborder assez rapidement trois points. Donc, le premier point, ça serait plutôt en fait, questionner de manière un peu critique l'usage des réseaux sociaux en fonction en fait, de la phase où les mouvements se trouvent. À partir aussi des expériences qu'on a vues, par exemple, dans d'autres parties d'Europe. Je pense notamment à Podemos en Espagne ou aussi au mouvement 5 étoiles. Parce que je vois quelques similarités qui me paraissent être... Euh, intéressant à partager pour questionner si, si, voilà, si, si on peut apprendre quelque chose euh, ou pas sur euh, les gilets jaunes. Donc, euh, si on regarde en fait les travaux qui existent sur l'usage des réseaux sociaux et en fait l'évolution des mouvements sociaux, ce qu'on voit, c'est que en fait l'usage que les mouvements font des réseaux sociaux change selon en fait l'évolution même du mouvement. Donc par exemple, les plateformes telles que Facebook et Twitter, elles sont très utiles pour les activistes dans les phases initiales, quand il s'agit en fait d'attirer l'attention sur certaines thématiques ou aussi vraiment du point de vue de la coordination logistique. Donc tu sais qu'il y a rassemblement, c'est donner rendez-vous, vraiment ce qu'on ferait par texto. C'est ça. Sauf que, au bout d'un moment, ce qui arrive. Et ça, c'était le cas, par exemple, pour Podemos en Espagne, mais aussi pour euh, ce qu'on appelle, hein, de manière un peu naïve, des fois, les printemps arabes en Tunisie. On voit en fait que les réseaux sociaux, dans ces événements-là, ont eu un rôle principal, surtout dans la phase initiale. Et je parle plus spécifiquement du rôle de Facebook dans ces cas-là. Sauf que, après, pour tenir. Bah, il faut en fait que les mouvements réfléchissent de manière très critique à trouver des alternatives à ces plateformes-là. Parce qu'en en fait, il faut être capable peut-être de diversifier aussi les publics auxquels on s'adresse. Est-ce qu'on s'adresse à des militants Est-ce qu'on s'adresse à qui regarde les mouvements à l'extérieur et donc, du coup, je, euh, je, je, je passe en fait, à mon, à mon euh, deuxième point. C'est pour ça, en fait, qu'il est dans la phase en fait, d'institutionnalisation, si vous voulez, d'un mouvement, hein, de l'action collective, un mouvement qui continue à se reproduire, comme le Gilets jaunes depuis plus qu'un an, c'est vraiment important d'avoir une conscience qu'il est important de communiquer par les réseaux sociaux sur deux chaînes différentes. Une chaîne qui est celle qui a à faire avec ce qu'on veut diffuser à l'extérieur du mouvement et l'information qu'on veut partager avec les sympathisants et les activistes et donc mon troisième point, donc c'est comment euh, reprendre les pouvoirs, parce qu'une fois qu'on a compris ou, ou qu'on a questionné en fait l'importance l'importance de diversifier la communication, comment en fait on peut reprendre les pouvoirs. Et, et, et pour ça, je pense par exemple aux travaux qui ont été faits sur les collectifs des travailleurs euh, précaires. Il y, a, il y a plein de travaux qui ont étudié l'usage du numérique auprès de travailleurs euh, précaires, qui montrent en fait que la manière pour les mouvements de reprendre les pouvoirs vis-à-vis -vis, par exemple des grandes plateformes qui ont servi la phase initiale hein, de formation du mouvement, c'est vraiment d'essayer de trouver une professionnalisation militante hein, dans l'usage des réseaux sociaux. C'est servir des réseaux sociaux de manière professionnalisée, qui ne veut pas dire de manière standardisée, ça ne veut pas dire se conformer à des modèles qui existent, ça veut dire penser, créer, inventer des dispositifs de communication qui permettent en fait aux idées d'un mouvement de circuler et de les représenter. et sur ça, je voulais juste, voilà, faire un, un petit clin d'œil à, à la question de, des logiciels ouverts, parce que je pense que c'est vraiment par là que, un mouvement, euh, que les mouvements aujourd'hui devraient, devraient, devraient se questionner, parce qu'on est loin de la phase de départ. on est, c'est un mouvement qui existe et qui est en place qui a besoin de renouveler ses formes d'action et d'expression, notamment vers les publics externes. en fait. Voilà. Merci beaucoup, Katarina, pour cette entrée, euh, finalement très temporelle, avec ces différentes phases qui donnent des clés de lecture euh, très utiles. Et peut-être, Hakim, toi, est-ce que ça te parle, justement, cette, euh, cette logique de, d'abord, on, on saisit de ce qui est présent, ensuite, on réfléchit à des alternatives avant euh, d'ouvrir un horizon vers euh, peut-être des usages un petit peu plus experts et professionnalisés de ces, ces alternatives alors oui, bonjour tout le monde. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Juste pour préciser qui je suis. Euh, donc, moi, je suis cofondateur d'Objectif RIC, qui a vocation donc à écrire un texte de loi de manière à ce qu'après, on passe dans une phase où on poussera ce texte de loi auprès de nos institutions. Donc, il faut d'abord tomber d'accord sur ce que l'on veut comme RIC avant de vouloir absolument avoir un RIC. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on va nous donner un RIC, mais qui n'aura absolument pas du tout ni l'efficacité d'un vrai RIC, ni même la couleur d'un vrai RIC. C'est ce qui se passe dans la majorité des pays où le RIC est en place. À chaque fois qu'ils l'ont obtenu, ou alors à chaque fois qu'on leur a donné, eh bien, ils n'ont jamais fait usage du RIC. C'est pour ça que sur les 36, 38 pays qui ont le RIC, réellement, une quinzaine en ont fait un usage, et réellement, 3, 4 font réellement un véritable usage du RIC. Donc voilà pourquoi on a créé Objectif RIC. Euh, moi, ma profession, je suis euh, conférencier expert en cybersécurité, et c'est pour ça que ça m'intéresse <laughs> le, le libre. Et puis, ce que tu viens de dire, Ekaterina. Pour moi, je pense qu'aujourd'hui, euh, le système tel que nous le vivons est à bout de souffle. Mais euh, c'est pas d'aujourd'hui. Je veux dire, on, on s'est déjà croisé avec Clément. J'ai déjà pratiqué ici cette salle de convention euh, il y a dix ans, et on avait fait le même constat. Les déni de démocratie, la défiance de, de la population vis-à-vis -vis de nos institutions, vis-à-vis -vis de notre classe politique. Ok, tout ça, on est tous d'accord, et on se revoit dans 40 ans et on fait exactement le même constat. Le problème, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait Donc, ce qui est intéressant avec les Gilets jaunes, c'est qu'ils sont passés à l'acte. Donc, ils ont arrêté de théoriser, ils ont arrêté de blablater. C'est bien d'avoir des théoriciens, c'est bien d'avoir des profs, etc. Mais c'est pas sur ça que la démocratie doit se fonder, à mon, en tous les cas à mon humble avis, c'est la pratique, c'est la pratique locale, c'est la pratique quotidienne, c'est le fait que vous allez vous confronter à la réalité des choses. Euh, J'amène des gens tous les ans en Suisse pour qu'ils voient ce qu'est la démocratie directe. Euh, c'est pas d'aujourd'hui, c'est du XIIIe siècle, donc euh, on appelle ça les landsgemeinde. Vous avez des assemblées populaires, citoyennes, appelons les comme on veut, où vous avez euh, les 50 000 personnes d'un canton qui font Loi, une fois par an, un dimanche, c'est bientôt, c'est dans, dans un mois exactement. On, pareil, j'aurai une délégation, ceux qui veulent venir, prenez contact avec moi. Et ce qui est intéressant, c'est que qu'on s'aperçoit que depuis le XIIIe siècle, ceux qui prônent la démocratie directe, qui n'en ont jamais réellement eu l'usage en France, ne savent pas réellement ce que ça implique. Or, des gens qui la pratiquent depuis le XIIIe siècle, donc ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, en sont revenus à la conclusion qu'il leur faut des représentants. Qu'il leur faut des exécutants. En revanche, la seule différence, c'est que ces représentants-là ne sont pas des dieux sur Terre. Ils sont donc révocables, ils ont des mandats courts, ils ont des, des, des mandats non reconductibles. Quand ils fautent, ils tombent. Mais il ne suffit pas de fauter et de ne pas être d'accord avec telle ou telle personne parce que sa tête ne vous reviendrait pas. La, la, la démocratie doit se baser sur le droit, doit se baser sur des éléments factuels, des choses concrètes qui font que les conflits sont. Euh, pacifié. C'est ça la démocratie. On peut, on peut théoriser sur tout ce que vous voulez, mais à partir du moment où vous n'avez aucun contrôle sur vos représentants, aucun moyen de sanction, eh bien, ils font ce qu'ils veulent, puisque l'âme humaine est ainsi faite. On peut le déplorer, vous pouvez être d'accord, pas d'accord. Le fait est que si nous n'avons aucun moyen de mettre un, un terme à des abus, eh bien, ces gens-là pousseront les limites, sans, aucun, sans aucune vergogne, sans aucun état d'âme. Le problème, c'est que la, la population française se trouve aujourd'hui totalement impuissante. Le RIC est évidemment un des éléments essentiels qui permet de reprendre le contrôle, mais ça n'est pas le seul. Avoir qu'un RIC en France aujourd'hui, on part de tellement loin qu'il y a énormément d'axes sur lesquels on peut travailler. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens, beaucoup d'associations qui travaillent sur des sujets divers et variés pour remettre la citoyenneté au cœur. Les gens qui, qui prônent la démocratie, mais qui la prônent derrière leur ordinateur, ou qui la prônent uniquement en s'exclamant parce qu'ils ont trouvé une émission dégueulasse, ou alors il faudrait soutenir Assange, etc. Donc ces gens-là, moi je leur dis, la, la démocratie ne se fait pas dans son canapé. La démocratie, elle s'expérimente, elle se vit. Vous devez. <laughs> vous, devez, vous devez convaincre les gens. La démocratie, ce n'est pas un ventre mou. On n'est pas là à ne pas avoir des convictions, à ne pas chercher à les défendre, à ne pas chercher à convaincre. Bien au contraire, c'est ça. La seule différence dans d'autres pays, moi je suis franco-algérien, dans d'autres pays, ils prennent les armes pour imposer leur point de vue ou pour les défendre. La démocratie, ce sont des lois ce sont des, des lieux où nous pouvons nous exprimer où nous avons besoin de lieux. C'est très court en cinq minutes, mais il y a beaucoup d'axes sur lesquels on doit travailler. La répartition du temps de travail, pourquoi nous n'avons pas de temps, nous, citoyens, pour nous occuper des choses de notre commune, de notre pays, etc. Il y a beaucoup, beaucoup d'axes sur lesquels nous devons travailler, les modes de scrutin, le fait que la parole ne soit jamais donnée. Vous voyez, il y a énormément de choses. L'objectif RIC en est une, si ça vous intéresse. c'est eh bien, écoutez, il y a un atelier après, et puis vous pouvez prendre contact avec nous. Merci. Merci beaucoup. Stéphane, on te confie la, la, dure, la difficile mission de montrer que les chercheurs sont pas que des blablateurs. <laughs> ah bah en plus, voilà, super. Euh, euh, D'abord, effectivement, je vais, je vais réussir à faire le lien avec ce que tu viens de dire, parce que pour moi, le, le, je, vais, je vais essayer de conclure sur le, cette question de relation au pouvoir, et du coup sur un autre angle, et là je vais revenir sur ce qui a, qu a pu être dit avant, mais donc sur l'angle des, des outils numériques qu'on utilise, et justement, du, du rapport de force qui est, qui est en jeu. Alors, on, on l'a dit, euh, Facebook est un, un outil qui a rendu possible, euh, on, on va dire, une, le mouvement des Gilets jaunes, une partie du mouvement des, des Gilets jaunes, capter l'attention, et je vais, je vais répéter aussi des choses qui ont été dites avant, euh, faire masse. Mais euh, on a entendu aussi que on ne pouvait pas construire la démocratie avec Facebook. Alors, je reprends donc ces, ces mots de Benjamin Coriam et que je, je, je partage euh, pour au moins deux raisons à mon sens. Le premier, c'est, Pierre-Yves l'a dit, le problème du surveillance, de la surveillance et du contrôle. Snowden nous a montré en 2013 qu'il euh, y a un lien entre les données qui sont collectées par les GAFAM, donc euh, le téléphone d'Android, le, le live Facebook, l'ordinateur sous Mac, pardon, je l'ai vu, donc je, je, je rebondis. Mais donc, tous ces outils que l'on utilise produisent des données qui arrivent aux GAFAM et on sait que les États, l'État américain, mais les, les autres États ont accès ensuite, à ces données, donc, on peut dire qu'utiliser ces outils, c'est de fait communiquer des informations aux états. Euh, d'autre part, on a vu que, ou je rappelle que les outils, euh, ces, ces outils, là, grâce aux algorithmes qu'ils mobilisent, eh bien, ils peuvent être utilisés, ils sont utilisés de fait pour manipuler l'information, donc les opinions. on a parlé de, de, de filtrage, voire de censure. Euh, voilà, donc, ça, c'est tout un premier point. J'essaie de tenir une minute sur chaque, je n'y arrive pas, donc j'accélère. Le deuxième point, c'est le point euh, du capitalisme et du capitalisme de surveillance. Pareil, on en a parlé, mais le modèle économique des GAFAM est construit sur la collecte euh, de ces données. Je considère, ou on peut considérer, je pense qu'on a un certain nombre à considérer que c'est un modèle inégalitaire, antidémocratique, donc qui est en quelque sorte l'inverse de ce qui est, je pense, enfin en tout cas ce qui est combattu, pardon, par le mouvement dont on parle aujourd'hui. On a parlé des riches détenteurs des médias français. On pourrait parler des riches détenteurs de ces entreprises du numérique que l'on utilise donc et qui aujourd'hui décident de la façon dont nos sociétés doivent fonctionner. Du coup, ça renvoie également à ce qui vient d'être dit, mais c'est leur représentation du monde qui est prolongée à travers euh, à travers ces outils. Euh, donc, du coup, je, je pense que la critique que l'on a fait aux médias traditionnels, on devrait également la faire à ces outils traditionnels, si on les si on les appelle comme ça. Euh, on aurait pu parler également. Non, mais du coup, je ne le fais pas parce que si je fais ça, j'en parle. Euh, juste, juste dire peut-être donc euh, avant de passer à, à on va dire la deuxième phase de ce que je voulais dire que. Euh, on a dit un moment, on n'a pas le choix, on a le choix. ce C'était pas ultra clair. Euh, bon, c'est pas ultra clair. Euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur puissance aujourd'hui, elle est directement liée à l'usage que l'on fait de ces outils. Ça, ça c'est une certitude. Si on arrêtait de les utiliser, si on arrêtait de consommer la publicité de fournir des données, eh bien de fait, le, le, la puissance disparaîtrait ou s'amenuiserait. Donc, du coup, on n'est pas, au moins en théorie, totalement impuissant. Euh, et on, donc, on a peut-être un peu le choix, ou beaucoup le choix. Euh, pour euh, finir donc sur le, la deuxième partie, euh, on a parlé d'archipelisation, ça, ça se matérialise aujourd'hui concrètement euh, dans les outils numériques qui sont promus notamment par, par Framasoft et par d'autres acteurs, euh, que l'on peut euh, que je vais essayer d'expliquer en, en vraiment deux mots, euh, euh, donc le principe de décentralisation et de fédération. Euh, décentralisation, ça veut dire que lorsqu'aujourd'hui vous utilisez, ou on met en place un live Facebook ou lorsqu'on utilise Google Maps par exemple, et bien l'ensemble des données convergent vers un seul acteur, qui en plus les, les agrège avec des tas d'autres. Donc on a un centre névralgique, et ce centre névralgique, il décide de ce qui fait des données, et il décide des, des usages que l'on a. Donc il peut unilatéralement décider de couper un live ou de euh, enlever un accès. Euh, l'ensemble du pouvoir est totalement centralisé, et là on n'est même pas dans un pouvoir que sur lequel on aurait euh, même hypothétiquement un contrôle démocratique. Et donc l'alternative dont on, on espère parler, dans, enfin, dont on va parler plutôt hein, dans, dans, dans le cadre des ateliers, eh bien, c'est passer sur des euh, médias sociaux notamment décentralisés. Donc décentralisé, ça veut dire qu'il n'y a pas un acteur qui en possède, mais qu'il y a plein d'acteurs qui peuvent en posséder chacun une copie, une copie chez Framasoft, mais une copie chez telle ou telle association. On en a cité plein aujourd'hui, et chacune de ces copies, eh bien en quelque sorte, euh, peut fonctionner avec ses propres lois de, de façon autonome, euh, c'est-à-dire décider, eh bien qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, voire même prendre des décisions arbitraires. Mais puisqu'on a une pluralité. De, de, de copies, eh bien, si à un moment il y en a une qui ne nous va plus, on peut aller ailleurs. On peut faire jouer des rapports de force également un peu plus équilibrés que les Gilets jaunes contre Facebook, par exemple, si ça doit se passer à un moment sur euh, le fait que des choses soient fermées. Alors. Euh il me reste six secondes sur mon truc, mais je vais, je vais, je vais attendre que Clément me fasse un signe. Tu m'as pas fait signe des deux minutes? Non, je le Clément, c'était une blague. Euh, donc juste voilà, on en, on en reparlera dans l'atelier, pardon. Je savais que je t'aurais. Euh, on en reparlera dans l'atelier, mais, euh, concrètement, juste le dernier message que je voulais passer, c'est que, euh, évidemment, il est difficile de sortir demain de Facebook, de laisser son téléphone fermé, euh, etc., etc. En revanche, on, il y a un certain nombre de choses que l'on peut commencer à faire, que je vous invite à commencer à faire, qu'on s'invite à commencer à faire. Diversifier la communication. Si vous communiquez sur Facebook, vous pouvez aussi communiquer sur d'autres médias sociaux euh, décentralisés. Je les ai pas cités, mais par exemple Mastodon, Diaspora. Euh, on parlera peut-être de Mobilizon, Peertube pour les vidéos, euh, etc., etc. Euh, ça permettrait de préparer une transition en douceur moment où on voudra, où on pourra changer, où on sera prêt, et puis éventuellement également, je le place de façon un peu plus agressive, mais à réagir en cas de censure, c'est-à-dire si à un moment il y a des blocages qui interviennent plus fort que ceux qui ont arrivé, eh bien on aura déjà une alternative familière. Merci. Merci beaucoup Stéphane. Et peut-être David sur cette question de la matérialité des alternatives, et ben, sur l'importance justement donc de, de porter des alternatives et de de donner une dimension symbolique un peu aux choix techniques qu'on fait Déjà, bonjour, bonjour à tous. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle David Prost et je suis un des cofondateurs du Vrai Débat. Donc, cinq minutes pour vous parler de sept mois de travail acharné, ça va être compliqué. Je vais essayer de vous faire un résumé très très rapide. Donc, l'idée de départ était une, on avait organisé une convention sur le RIC. Euh, sur le, le Vaucluse de là où on est. Et, euh, et on a découvert, grâce à cette convention, qu'il existait des outils autres que le RIC, avec les Civitech notamment, et que l'île de la Réunion avait mis en place justement une plateforme euh, de participation. Donc on a pris contact avec la société qui, qui avait fourni ça euh, à l'île de la Réunion, euh, qui s'appelle Cap Collectif. Et donc on a créé la plateforme, une plateforme en PACA. Quand on a lancé la plateforme sur le PACA, on s'est vite pris qu'il y avait d'autres plateformes qui existaient sur la France, donc dans chaque région, et on s'est rapproché de ces personnes-là pour commencer à envisager une plateforme nationale où on n'avait pas encore véritablement le nom, mais on était déjà en train de travailler quand on a appris que le gouvernement lançait le... grand débat. Et ce qui était marrant encore plus de ça, c'est qu'il le lançait sur la même plateforme que nous. Donc on a décidé de se lancer ben, nous aussi là-dessus. Donc en appelant notre plateforme le vrai débat. Et ce qui a été intéressant, c'est que ben, je ne sais pas si tout le monde se souvient à l'époque, euh, Chantal joanneau était en charge de la mise en place de l'organisation du grand débat avec euh, le processus donc de la, de la CNDP euh, et le, le gouvernement a décidé en fait de changer les règles, de fermer le débat, de le clôturer sous un forme de, de questionnaire de QCM. Merci. Et donc, toujours pareil, on a trouvé que l'idée était hyper intéressante. Donc, nous, on a récupéré donc, ce, fameux, euh, ce fameux plan qu'avait préconisé la CNDP euh, avec une ouverture totale de discussion euh, sur la plateforme où on a mis en place en fait neuf thèmes, huit thèmes qui regroupaient à peu près les 17 euh, ministères euh, présents, plus un thème libre, d'expression un peu euh, générale. Euh, et, euh, et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé donc, le, le vrai débat. Donc, on a fait seulement. 33 jours de consultation pour essayer de vous donner un petit peu des chiffres. On a fini donc avec 45 000 participants, euh, 119 000 propositions approximativement pour euh, environ euh, presque un million de votes. Euh, grosso modo, hein, c'est euh... 25 000 propositions mais 119 000 arguments en, en, en tout. Puisqu'en fait, sur la plateforme, la différence qu'on on pouvait générer par rapport au grand débat, c'est qu'en fait, chaque personne était libre de pouvoir positionner une proposition, mais surtout les autres pouvaient voter, que ce soit pour, contre ou être mitigés. Mais en plus de pouvoir donner leur point de vue, ils avaient la possibilité aussi d'argumenter les informations. C'est vraiment tout ce qui fait la différence par rapport euh, au, au grand débat national, c'est-à-dire que là, il y avait une réelle expression, une vraie, une, une vraie, une vraie possibilité de pouvoir s'exprimer et donner son avis sur, des, sur plusieurs sujets, sur, sur des sujets totalement divers et variés. Euh, et, et après, notre idée, une fois qu'on avait, on avait généré ça, c'était d'avoir quelque chose de transparent, euh, et c'était aussi la possibilité d'avoir une synthèse. On ne voulait pas faire la synthèse nous, puisqu'on voulait pas qu'on soit attaqué de choisir des priorités. Donc on a décidé de prendre compte deux minutes. Oh, oh, J'essaie de faire vite. Je suis vraiment désolé. Euh, donc on a décidé de confier ça donc à trois labos. Euh, donc on a le RAS de Toulouse, Triangle de Lyon et on avait le CNRS de Paris. Donc ces trois labos ont travaillé sur les, les données du vrai débat euh, en totalement une méthodologie différente, hein, si on peut, on peut le dire. Il vous, il vous expliquera peut-être un peu mieux que moi après sur comment ça s'est construit, euh, pour nous permettre après une restitution euh, des données qu'on a rendues totalement libres. Donc tout est accessible depuis euh, la plateforme du vrai débat, parce que l'objectif du vrai débat à la fin a toujours été de rendre ces données publiques et que n'importe qui qui a envie de s'en servir, de les utiliser, de les faire remonter là où il avait envie de les faire remonter, puisse le faire, et gratuitement. Et euh, la suite à aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Un manifeste a été écrit euh, justement où ça reprend à peu près un peu l'histoire du vrai débat, mais surtout les synthèses et les propositions, parce que l'objectif qu à aujourd'hui maintenant, c'est de pouvoir faire remonter ces propositions là où ça doit aller, parce que nous, ce qu'on pense, ou ce que je pense, moi en tout cas, c'est qu'à aujourd'hui, ce sont des propositions qui ont un véritable consensus entre guillemets dessus, puisqu'il y a des gens qui ont voté dessus. Donc on a une forme de légitimité, et c'est à peu près, c'est le plus grand sondage qui ait jamais existé en tout cas un sondage politique, à une ampleur de à peu près 45 000 personnes. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pascal, on te laisse la parole. Donc, vous, avec le, ton équipe du LERAS, vous avez un bel exemple de, de recherche-intervention et d'intervention de la recherche dans le débat public avec des timings serrés et dynamiques pour venir nourrir justement ce, ce débat public. Peut-être tu peux nous parler donc de l'analyse que vous avez menée. Oui, donc euh, Pascal Marchand, je suis professeur à l'université de Toulouse et euh, je dirige un laboratoire en sciences de l'information et de la communication, c'est-à-dire que tout ce qui concerne euh, les usages et les évolutions et les outils pour informer et communiquer nous intéresse. Et euh, Nikos Mernelos en a parlé ce matin. C'est un petit peu par ce biais-là qu'on est arrivé à s'intéresser à la question des gilets jaunes, c'est-à-dire que euh, certain nombre de de personnes de notre laboratoire se sont rendues compte qu'il se passait quelque chose de particulier sur les réseaux sociaux numériques et ont commencé une veille systématique de ce qui se passait sur Facebook, Twitter et aussi en, par comparaison avec les médias. Et donc on développe des technologies, vous avez des exemples là, technologies un petit peu complexes pour analyser des grandes masses de données textuelles. Et donc on commençait à publier des choses sur euh, qu'est-ce que les gilets jaunes disent, qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils le disent et. Euh, on le comparait à la presse et là les gens nous disaient mais... C'est qui les Gilets jaunes, ils sont qui, Et nous, on disait c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'étudier qu'est-ce qu'ils disent et comment ils le disent. Ah oui, mais ça c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est savoir qui ils sont. Donc, il y avait une, une, une incompréhension euh, dans ce qu'on pouvait prévoir. Alors, ça, c'était soit les médias, soit les politiques, soit certains de nos collègues. Hein. J'avais des collègues qui me disaient, mais euh, c'est très intéressant tes résultats, mais ça sert à quoi Alors, on leur disait, tu sais, ben par exemple, quand on oppose la fin du mois et la fin du monde, c'est une super formule. J'aurais adoré la trouver moi-même, sauf que on la trouve pas du tout. Elle est fausse. On ne la trouve pas dans, nos, dans les réseaux sociaux, on ne la trouve pas dans, dans les échanges entre Gilets jaunes. Et donc, on, on construit quelque chose euh, un petit peu là-dessus. Et là-dessus arrive donc le, le grand débat national, tu l'as rappelé, avec euh, le rôle de la Commission nationale du débat public, le scandale Chantal Joanneau. Euh, nous, on avait écrit à, à la Commission nationale du débat public en disant euh, oh, il est très peu probable quand même qu'un gouvernement fasse deux fois la même erreur. On avait analysé le grand débat sur l'identité nationale. Et donc, qui relance une vaste consultation sans avoir pensé en amont les outils qui à l'utiliser pour l'exploiter. Mais bon, si euh, par hasard, ça se, se présente un petit peu comme ça, on sait faire. On a des technologies qui permettent d'analyser des bases de données textuelles massives. Et donc, euh, la CNDP avait noté le, le truc, et puis, pataquesse, euh, salaire de Chantal Joanneau, euh, euh, le gouvernement récupère le, le grand débat, et donc, euh, les Gilets jaunes nous contactent, avec Triangle, avec euh, l'Institut des Systèmes Complexes, en nous disant clairement, écoutez, nous, on n'a pas un rond, mais euh, si ça vous intéresse, on vous donne les données. Alors on se réunit, on dit « bah ouais, banco, on prend les données et on regarde comment on peut travailler ensemble, commencer une articulation entre chercheurs et, et Gilets jaunes ». Et donc ils nous donnent les données, ils nous disent oh, « ça serait bien si on, avait, si on avait les résultats dans trois jours ». Donc effectivement, de ce côté, ça a été un petit peu dense. Euh, mais on a commencé à élaborer un petit peu des, des résultats sous forme de cartographie. À gauche, c'est le, le vrai débat, donc ça c'est officiel. À droite, c'est le grand débat, c'est pas officiel. Alors c'est pas officiel pourquoi Parce que ça fait un an... Que euh, l'Agence nationale de la recherche réfléchit à la façon de faire un, un appel d'offres. Il y a un an, on est venu à Paris pour dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et euh, depuis un an, ils réfléchissent. Est-ce qu'on va faire un appel d'offres Tiens, vous voulez un scoop Ce matin, là, ça, ça date de ce matin, euh, l'Agence nationale de, de la recherche vient de débloquer 3 millions d'euros sur le coronavirus. Là, il n'aura pas fallu un an. Hein, ça allait très, très vite. Là, pour les histoires de grands débats national euh, on ne sait pas encore s'il va y avoir un, un appel d'offres là-dessus. Bref, donc, ce qu'ils nous demandaient, nous, c'était euh, euh, ben, finalement. Qu'est-ce que c'était ce débat Qu'est-ce que ça questionne On l'approfondira sans doute en atelier, mais certains le voyaient comme une fin. Le gouvernement voyait le grand débat national comme une fin de processus, alors que les Gilets jaunes le voyaient clairement comme une étape pour aller vers autre chose. Donc il fallait que les données qu'on puisse fournir, qu'on fournirait, puissent servir à construire autre chose. Ça, c'est l'une des grandes différences, et puis tu as dit les, les, les différences de forme, et puis Vincent y reviendra sans doute. Euh, donc, effectivement, dernière chose, ben, il, il s'agissait pour nous de promouvoir la recherche publique. Et quand je dis promouvoir la recherche publique, ben, j'englobe tout ce qui a été dit ce matin et tout à l'heure sur le logiciel libre. On travaille aussi sous licence GNU-GPL. Donc, on produit les logiciels que vous voyez qui ont produit ça sont des logiciels libres. Et donc, dans l'idée de notre participation à cette opération, c'était aussi promouvoir la recherche publique et le logiciel libre pour traiter notamment des données textuelles massives et en fait, on voit que ces analyses de données publiques et libres, ce n'est pas ça qui est retenu par un gouvernement à partir du moment où on a affaire à une consultation, et qu'on est allé chercher des officines privées qui n'ont pas les moyens technologiques, les moyens avancés de recherche qu'on peut avoir dans les universités, mais qui là, par contre, ont pu, ont pu récolter quand même des mannes financières assez considérables. Voilà en quelques mots ce que je pourrais dire. Bravo, merci. Donc, Maintenant, Vincent, si tu peux toi nous partager, revenir un peu dans le prolongement de cette expérience d'analyse et de recherche intervention, donc avec une autre équipe de recherche, l'équipe Triangle à Lyon, est-ce que tu peux revenir sur votre expérience j'en profite juste pour rebondir sur ce que vient de dire Pascal, à savoir que euh, on était tous les deux à une journée bah, avec Louis et Igor, une journée à Sciences Po euh, sur le sur le grand débat. Et on a appris que, les, malgré la manne financière dont, dont tu parlais, euh, les, les grandes sociétés, avec euh, leurs grands moyens d'intelligence artificielle, etc., ça n'a servi strictement euh, à rien. C'est Pascal Perrineau qui l'a dit, euh, donc Pascal Perrineau qui était euh, chargé du, du grand débat, qui était garant, et, euh, et, et qui a dit, effectivement, euh, non, non, on n'a pas exploité euh, le quart du dixième de, de, de ce qui était disponible, malgré euh, toutes ces technologies. Euh, oui, alors, je, je reviens... La tête a été faite sur un, un quart des données et donc je reviens un peu pour situer la position depuis laquelle on parle au laboratoire Triangle. Donc c'est un laboratoire de sciences politiques où il y avait déjà des doctorants qui étaient intéressés par ce qui se passait sur les ronds-points et qui avaient fait des enquêtes de terrain. Et quand on a vu que des gilets jaunes s'emparaient de l'outil, euh, du gouvernement pour en faire autre chose, on s'est dit, ben voilà, c'est ce que vous disiez sur la, la question des usages. Enfin, moi, je pense qu'on ne peut pas euh, comment dire, décrier l'outil de, de cap collectif euh, de, de manière euh, unilatérale. C'est-à-dire que euh, si on l'utilise d'une certaine manière, on peut produire quelque chose de, de très intéressant. Et, et donc, nous, on y a vu euh, non seulement euh, l'occasion d'entrer dans les coulisses du grand débat, c'est-à-dire de, de voir comment fonctionnait l'outil, euh, comment ils fonctionneraient euh, différemment, et du coup aussi de saisir, alors non pas qui sont les, les gilets jaunes, comme disait euh, Pascal, mais euh, ce qu'ils disent. Et, et donc on s'est concentré euh, sur euh, sur un autre point de, de, de la synthèse, c'est-à-dire essayer de dégager un, euh, non pas un aperçu euh, cartographique euh, général des thématiques, mais essayer de construire euh, un socle consensuel de propositions. Et donc on a pris en compte... Euh, je crois que vous n'avez pas trop fait ce, ce genre d'approche, c'est-à-dire d'essayer de, de, de hiérarchiser les, les propositions, puisque comme disait David, il y avait 25 000 propositions qui ont été postées, 45 000 inscrits à peu près, 93 000 arguments, un million de votes répartis sur les propositions et les arguments. Enfin bon, C'était assez difficile de, de, de savoir s'il y avait une cohérence ou pas. Euh, et, euh, et de savoir ce que voulaient euh, les gens qui avaient posté des, euh, des propositions sachant qu'il y avait énormément de, de doublons alors ça c'est quelque chose qu'on abordera aussi euh, dans, dans l'atelier, enfin ce que vous appelez des doublons en tout cas parce qu'on pourrait raffiner hein. c'est à dire qu'il y, y a trois propositions qui se ressemblent beaucoup qui s'appellent RIC en toute matière hein, par exemple mais euh, si on regarde de près c'est pas exactement la même chose, cela dit on, on peut euh, quand même dégager des, des convergences hein. donc on s'est euh, effectivement attaché à essayer de, de dégager un, un socle programmatique parce que euh, pour nous c'était euh, un, un outil effectivement d'intelligence collective et euh, en dialogue, et c'était aussi un effort de, de science participative en quelque sorte. En dialogue avec l'équipe du, du Vrai Débat, euh, il s'est agi d'essayer de, euh, de, de faire une synthèse. En très peu de temps, euh, pour dire, ben, voilà ce que euh, le mouvement signifie en termes de, de programme politique. Et euh, notre travail, ça a été de, de regrouper les propositions euh, en quatre grandes familles. Et euh, en gros, en, en classant les, les, les propositions par vote euh, selon deux ou trois critères, euh, on a dégagé encore plus d'un millier de propositions, alors qu'au départ, euh, au départ, la commande était un peu plus dans le format journalistique, c'est-à-dire que vous vouliez quelque chose qui soit, euh... ouais, vous vouliez quelque chose qui soit. Euh... Et donc l'idée de laquelle on a discuté collégialement avec les collègues et avec vous, c'était d'essayer de restituer au contraire la complexité de, de ce qui s'exprimait. Et là, je, je reviens un peu sur ce que tu disais, tu disais que c'était le, le plus grand sondage jamais fait, mais pour nous c'était carrément autre chose, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un sondage, vraiment un lieu de, de construction collective. C'est-à-dire que vous, vous attendiez des, des propositions de loi, mais il y a eu beaucoup plus que ça. Il y a eu des récits de vie, euh, il y a eu des, euh, des propositions d'action locale, enfin des, tout un tas de, de, de choses. Après, il, y avait, il y avait le, de, le degré d'urgence après. Par rapport, à, par rapport à vous, euh, entre guillemets, où, où c'est votre travail de chercher, de comprendre, d'analyser, nous, il y avait, en, ce qu'on voulait, c'était de la vitesse, parce qu'il y avait une, un, un vrai degré d'urgence. C'est-à-dire qu'il y avait des, des gens qui étaient dans la rue, il y avait des gens qui défilaient toujours, on en est encore là, euh, euh, il y a des gens qui crevaient de faim, et l'objectif était d'essayer d'arriver à sortir quelque chose rapidement pour essayer d'avancer là-dessus, quoi. C'est vraiment. Euh de, de contrecarrer un petit peu la synthèse programmée par, par Macron et donc de vous inscrire dans un calendrier médiatique. Et nous, on, on essayait de vous dire euh, attention euh, à ne pas réduire ce qui s'exprime dans, dans votre plateforme, c'est beaucoup plus riche que ça et euh, ça peut donner lieu. Et d'ailleurs, vous aviez annoncé euh, qu'il y aurait des assemblées comme disait Pascal, c'est-à-dire que ce n'était pas juste une consultation qui euh, venait légitimer a posteriori une politique déjà préétablie, mais au contraire, quelque chose qui était censé euh, être rediscuté par la suite. Quoi. Et, et donc, euh, voilà, on a essayé de, 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 de regrouper les, les propositions et ça a donné lieu effectivement à huit, euh, huit assemblées délibératives, euh, etc. Et il euh, et, 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 euh, y, y, y a une synthèse donc, euh, qui a été publiée en ligne et ça a servi aussi de, de, un petit peu de manifeste. que vous avez. Euh en fait, le... ouais, on expliquera... après. Juste, euh, ouais, ouais, a... Je confirme que c'était très riche, le vrai débat, puisqu'on a utilisé vos données hein, dans Culture RIC. on a récolté plus de 8000 avis sur le RIC grâce à, à vos travaux, qu'on a traité en intelligence collective pendant 5 mois, 3 ateliers par semaine, 4 heures, pour traiter euh, peut-être ce que d'autres auraient pu faire avec l'intelligence collective, mais avec l'intelligence artificielle, mais on l'a fait en intelligence collective. Et on a sorti 48 grands principes attendus qui sont soumis à un sondage national. On va pouvoir passer à la dernière intervention. Alors, on n'a pas eu l'occasion d'échanger avant, mais si tu veux te présenter. Bonjour. Donc, Florence, je suis webmaster du site Gilet Jaune Coordination, un site historique du mouvement Gilet Jaune. Et aujourd'hui... En cinq minutes, je vais essayer de présenter les deux problèmes principaux que ce site tend à répondre dans un but d'organisation. Donc, défonçage de portes ouvertes, les gilets jaunes ne sont pas des casseurs. Je pense que tout le monde l'a compris, en fait, depuis le temps. Mais un problème majeur reste, depuis, euh, reste celui de l'influence des médias sur l'opinion. Mais surtout, plus précisément, le problème de l'influence importante qu'ont les premiers résultats des moteurs de recherche. On parle beaucoup de Facebook, des réseaux sociaux, des, des médias, mais on oublie quand même un aspect très influent sur l'opinion, qui est ces moteurs de recherche et l'importance qu'ont les premiers résultats sur, sur ce que l'on pense. Et pourtant, leur impact a un effet assez fascinant. Pour le contexte, je suis web designer, développeur, technicienne en optimisation pour les moteurs de recherche. Je suis pleinement investie dans les civic tech, notamment pour les monnaies locales, l'instauration du RIC et la vérification collaborative de l'information. CaptainFact.io, un site et une association pour lutter contre la désinformation de façon démocratique grâce à l'intelligence collective. Donc naturellement, quand on surveille la désinformation et les premiers résultats des moteurs concernant les questions les plus fréquemment posées sur un sujet, on s'en inquiète, surtout quand ce sont principalement les sites des grands médias qui s'approprient très rapidement les premières pages de résultats. Si bien que pendant longtemps, la question la plus posée, comme comment rejoindre Gilets jaunes, renvoyait sur du contenu décrédibilisant et désengageant au sujet des Gilets jaunes, ce qui est extrêmement dé dévastateur en termes d'organisation et de mobilisation des personnes, c'est comme si... Quand on tapait votre nom sur Google, on trouvait en première, page des, en première page des photos compromettantes de vous, en fait, en boîte de nuit. Voilà, ce, ce genre de problème que l'on résout par la stratégie. Donc une stratégie pour les moteurs de recherche à ne pas ignorer. C'est important. Ce problème s'applique aussi à des sujets très locaux, comme initiative RIC dans le Jura, des, des mots-clés qui peuvent être tapés. Les premiers résultats sont souvent des articles médiatiques qui informent superficiellement. Leur but n'est pas de faire de la promo, évidemment. Enfin, ça dépend pour qui. Pire, quand les médias décrédibilisent un sujet ou font de la désinformation, intentionnellement ou pas, peu importe. Ce n'est pas le but d'attaquer les médias. Je suis sûr qu'ils font tout ce qu'ils peuvent. Mais face à eux, quels moyens les militants, Gilets jaunes ou autres, ont Qu'est-ce qu'ils ont pour riposter et faire porter leur information dans les premiers résultats des moteurs c'est un sujet sur lequel travaille Gilets jaunes coordination en offrant une plateforme de publication, un outil de publication d'articles. Un autre sujet qui a été abordé et qui me tient particulièrement à cœur et pour lequel on... on... Ah oui Une minute, minute. C'est la, cyber, la cybersurveillance. C'est un tout autre problème, l'effet de la cybersurveillance sur l'engagement militant. Un problème subtil, silencieux, difficile à mesurer, mais... Qu'elle soit fictive ou réelle, cette cybersurveillance, la seule idée de la cybersurveillance a un grand pouvoir dissuasif et représente une entrave conséquente à l'organisation numérique. Cette crainte pousse à la prudence, à la méfiance et à l'inaction, à l'homogénéisation de la pensée. Hélas, c'est difficile de se passer des canaux numériques pour la communication. Donc, on ne peut pas, parce qu'on se sent surveillé, arrêter de les utiliser. Ils sont trop efficaces des solutions restent à inventer pour rendre davantage de liberté d'expression sur les canaux de communication fréquentés et donc surveillés. et pour cela, gilles jaunes coordination euh, expérimente un hack qui permet euh, justement de s'exprimer sur les canaux habituels efficaces, sans que le contenu des communications puisse être surveillé. donc euh, je n'organise pas d'atelier par la suite, mais je serai heureuse. Euh, c'est justement pour être à disposition, en fait, pour discuter. Et et collaborer avec d'autres projets. Voilà. Merci. merci beaucoup. Et merci beaucoup à toutes et tous d'avoir tenu ce timing assez serré, qui évidemment a un côté un peu frustrant, mais comme on le rappelle une nouvelle fois, pourra donner lieu à prolongation de l'atelier. Mais la bonne nouvelle de ce timing un petit peu serré, c'est que ça nous laisse un peu de temps pour prendre trois ou quatre questions. Euh, bonjour. Euh, donc moi j'avais participé euh, dans le cadre du vrai débat au dépouillement donc euh, de, des assemblées. Et en fait ce qu'on avait compris à l'époque, euh, donc c'était pour faire la synthèse, euh, on avait compris à l'époque que ça allait continuer à vivre et en fait ça n'a pas continué à vivre et on n'a pas eu d'explication. Et en fait on était resté très frustrés parce qu'on y avait passé euh, notamment un week-end euh, à Nanterre, à Jean de Villiers. Et on n'a pas compris ce qui s'était passé ensuite. Et je suis content de vous voir là, parce que j'aimerais bien, justement, savoir ce qui s'est passé derrière. Alors, euh, pour essayer de, de donner l'explication... Tu veux y répondre, Greg Hein Non euh, en, en fait, c'est que... Euh... L'idée qu'on avait du départ des assemblées a changé énormément. C'est-à-dire qu'au départ, on était parti sur 9 conventions, ensuite ça s'est transformé en 27 assemblées, puis après euh, finalement en 12, en 8, avec euh, un nombre de personnes représentatif finalement euh, euh, sur toute la france puisqu'on a eu quoi je crois 250 participants sur les assemblées qui ont mobilisé beaucoup de temps euh, de l'organisation aussi enfin du temps aussi humain euh, et après on partait aussi sur un schéma qui ne correspondait plus à ce qu'on le, le, qu avait décidé au départ du vrai débat, de ce qu'on avait annoncé, ou euh, au départ, c'était euh, proposition de loi. On s'est avéré que c'était trop compliqué à mettre en place des propositions de loi, euh, qu'on n'avait pas ni les outils, ni le financement, euh, ni euh, les moyens, euh, on va dire, euh, ouais, financiers, de toute façon, c'est surtout financier, pour pouvoir le mettre en place. Donc, à un moment, il fallait qu'on... On termine et qu'on structure sur quelque chose parce qu'il fallait, on avait promis un résultat sur, sur ça, donc c'est pour ça en gros qu'on a, on a fait la dernière synthèse et qu'après on, on a on a décidé de stopper de ne pas repartir sur 27 assemblées qui étaient prévues sur le mois d'octobre. Merci. Bonjour à tous et merci. Ouais, une question, j'ai entendu tout à l'heure. Euh, donc, a priori, pour nos concitoyens, il y aurait 73%, plus ou moins 10%, qui seraient pour le RIC. Comment vous validez le résultat pour pouvoir derrière déclencher le consensus parmi les 45, a priori, proposés, qui ferait consensus Voilà, tout simplement. Euh, le sondage, c'est un sondage IFOP, 73%. Euh, et plus ou moins 10%, parce que suivant la forme du RIC, si c'est constitutionnel, révocatoire, c'est plutôt 83 ou 63%. Mais ça, c'est un sondage. Euh, et c'est d'ailleurs euh, une très très bonne question sur laquelle on travaille, arriver à légitimer euh, cette réponse-là. Puisque nous, on, on, on a fait ce constat-là, les parties sur un constat très favorable de l'opinion publique. Et on s'est dit, mais euh, comment aller chercher sa représentativité réelle c'est pour ça qu'on a étudié 8000 avis qui sont des vraies doléances posées sur le vrai débat. On a étudié, je crois, aussi quasiment 4000 ou 5000 avis qui sont sur celles de parlement et citoyens. C'est des données recueillies qu'on a traitées en intelligence collective et on a sorti 48 grands principes. Et aujourd'hui, on en est là. À, 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 on ne sait pas comment faire connaître nationalement cette consultation-là pour avoir un vrai retour, du coup, représentatif. Mais la question, je ne peux pas vous répondre. Rendez-vous quand on aura réussi à la faire voter par tous les Français, quand on aura les moyens médiatiques de la faire connaître, etc. etc. et c'est pour ça qu'on est là. Bah, voilà, je vais rebondir sur ce que dit Michael. En fait, c'est que euh, le, le problème du RIC, donc, il a, ça fait 40 ans hein, qu'il est, euh, qu est mis en avant, qu'il est défendu en France, et 250 ans qu'il existe dans la théorie euh, politique. Le seul problème, c'est que. Bon, on a les gilets jaunes là, qui, en ont, qui ont mis l'accent, on va dire, un phare médiatique sur ce, sur ce sujet-là. Mais il faut être honnête aussi, ça fait maintenant 8 à 9 mois qu'il a disparu. Disparu des radars médiatiques. Et aujourd'hui, nous n'en parlons plus. Donc, aucun moyen de savoir effectivement s'il y a 70, 80, 90% de gens qui veulent le RIC. Quel RIC d'ailleurs si on me donne mon avis, moi, le RIC révocatoire est le plus important. Et d'autres, ça va être le RIC législatif, le RIC constituant, bref. Donc on n'est pas déjà d'accord sur ce qu'est le RIC. Mais en plus, comme les médias ont fait leur boulot, c'est-à-dire qu'ils ont fait de l'émotionnel, du sensationnel, ils ont mis en avant quelque chose qu'ils ont sali. Eh bien, Dans l'esprit de beaucoup de gens, le RIC aujourd'hui est soit d'extrême droite, soit, euh, je ne sais pas moi, la porte ouverte à cette euh, plaie d'Égypte ou ce qu'on veut. Et le problème, c'est que on avait, on a, ça fait 40 ans que des militants travaillent dessus. Moi, ça fait personnellement 10 ans que je travaille dessus. On a eu une fenêtre de tir pendant 3 mois et désormais, maintenant, cette fenêtre s'est fermée. Et elle s'est fermée, j'espère, pour pas longtemps. Vous êtes là pour, pour faire en sorte que ce ne soit pas pour longtemps. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un travail de sape, un travail de vraiment violent qui a été fait dans l'esprit des gens. Et aujourd'hui, moi, j'avais pensé qu'on avait gagné du temps. Et je, je, malheureusement, je, je constate depuis six mois qu'en fait, nous avons reculé d'au moins 15 ans. Et donc, bien, charge à nous maintenant de récupérer, enfin, médiatiquement, en tous les cas, ce sujet. Bien sûr. Il y a beaucoup d'opposants politiques aujourd'hui qui ont mis en avant le RIC. Il y avait déjà en fait des partis politiques qui parlaient du RIC dans leur programme. Moi, j'ai envie de dire, peu importe si c'est par récupération, et, et si c'était dans un projet, peu importe le parti politique encore une fois, mais en 2022, l'idée principale, ce n'est pas qu'on l'ait, le RIC. Une fois qu'on l'aura, je veux dire, il sera toujours temps de corriger qui l'a mis. Alors, ça, c'est un, un sujet fondamental. Le qui l'a mis est très important. On ne peut pas juste d'un revers de main dire euh, l'essentiel, c'est de l'avoir. Je vous ai dit, il y a beaucoup de pays qui l'ont eu. Les derniers en date, ce sont les pays du Bloc de l'Est, la Croatie, etc. Ils n'en font aucun usage. Parce que les gens qui leur ont gentiment donné le RIC ont tout fait pour le verrouiller. Et ça, c'est fondamental. Nous devons, nous, citoyens, aller le chercher, ce RIC. Si nous l'avons d'une classe politique qui n'a aucun intérêt à partager son pouvoir, aucun, j'espère qu'on est bien conscient ici qu'ils pourront vous donner de l'argent parce que l'argent des autres ne coûte pas cher. En revanche, le pouvoir qui est le leur, ils ne le partageront pas. Eh bien, l'expérience que l'on a dans ces pays-là, quand ils l'obtiennent, eh bien Malheureusement, il n'est ne, pas efficace. Et depuis 1992, il est présent dans certains programmes politiques. Nous avons auditionné nous sommes allés à l'Assemblée nationale des personnes sont là, ont été données en main propre auprès des représentants de, de chaque groupe parlementaire. Et, groupe parlementaire. Et en fait, il se trouve tout simplement que seuls trois partis politiques sont venus se faire auditionner ils ont joué le jeu. Pourquoi les autres Parce qu'ils sont toujours dans les brouffes. Dans la, dans la démagogie. Et quand ils se sont retrouvés face à des experts, des gens qui connaissent bien les rouages du RIC, ils étaient secs. Ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi répondre. Et il y en a même un qui nous a dit très clairement dans les yeux « Le jour où le RIC passera, nous ne voulons pas être jugés par l'histoire. » Donc c'est très très important de comprendre que le RIC, nous, devons en tous les cas aller le chercher. Je voudrais compléter. Il faut... Euh, la stratégie de passer par sur des partis politiques, elle a été euh, faite aux Pays-Bas. C'est comme ça que le RIC a intégré, euh, parce qu'il a été porté par des petits partis politiques. Ça a séduit, c'est passé. C'est donc une stratégie tout à fait probable. Seulement, comme l'a dit Hakim, il ne faudrait pas qu'on nous mette n'importe quoi. Et euh, pour information, les acteurs RIC euh, sont en train de coopérer, d'échanger de, pour euh, tendre vers euh, un label qui pourrait être porté par tous les acteurs RIC et qui, d'une un, certaine façon, si un parti politique voudrait le prendre pour passer, aurait la certification dans l'ensemble. S'il voudrait changer une virgule, il la perdrait. C'est une idée qui est en cours. Euh, voilà, pour répondre. Alors. Alors, ma question porte sur les moyens dont nous disposons pour effectivement faire ce genre de plateforme. Euh, si j'ai bien compris l'histoire, euh, le vrai débat et le grand débat ont la même plateforme de consultation qui est fournie par une société qui s'appelle Cap Collectif. Euh, Cap Collectif a quasiment donné au vrai débat euh, cette plateforme. Elle a vendu au gouvernement. Bon, voilà. Euh, et on n'est pas dans les logiciels libres, là, du coup. Euh, ma question porte, est-ce que nous avons les moyens, est-ce que Framasoft a les moyens de faire, une de, de faire une plateforme de consultation citoyenne en logiciel libre Merci. Euh, la réponse, pour la faire courte, est non, on n'en a pas les moyens. Euh, la réponse un tout petit peu plus longue, c'est en fait, nous, on ne souhaite pas que ce soit nous qui la développions. Nous, notre principal combat, il est de faire comprendre que tout le monde a les moyens. C'est-à-dire que si on se replace dans une position où on attend d'un acteur qu'il produise une plateforme, c'est qu'on se replace dans une position de soumission et de domination. Donc nous, ce qu'on explique, c'est que le logiciel libre, c'est pour tout le monde. Alors oui, évidemment, je me doute bien que dans la pièce, il n'y a pas beaucoup de développeurs ou de développeuses, mais il peut y en avoir. Et euh, l'idée est de dire, mais en fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Nous, on est en train de développer une alternative à YouTube, qui est quand même une plateforme qui rapporte 160 milliards de dollars par an à Google. Il euh, y a un développeur à 80%. Sur ce, sur ce logiciel. Mais on ne va pas développer une alternative à YouTube, une alternative à Google Docs, une alternative à Google Forms, enfin je vous ai dit, on en a plusieurs dizaines, euh, plus une alternative bientôt aux événements Facebook. Et en plus une alternative pour la consulta de, de consultation citoyenne et de débat citoyens. Donc il y, y a déjà suffisamment de gens qui font ça. J'entendais parler de Carto Débat. Il y a euh, d'autres euh, plateformes qui, qui font ça, des Sidim et, et d'autres. Euh, et, et donc il y a des solutions. Et, euh, L'idée pour moi, elle est plutôt de, de, de vous dire, n'attendez pas que ce soit quelqu'un qui le fasse. Effectivement, moi aussi, je peux être extrêmement critique envers Cap Collectif. Euh, mais il y, y a des plateformes, type Decidim. Alors, je ne connais pas vraiment Carte au Débat, mais euh, voilà, des, allez voir du côté de Decidim ce qui se passe, hein, qui est beaucoup utilisé, notamment par, euh, en, en Espagne et en, et en Catalogne. Et du coup, euh, peut-être que c'est de ce côté-là qu'il faudra aller chercher. Et, Trouvons dans le mouvement des Gilets jaunes des gens qui sont capables d'opérer cette plateforme de façon à ce que vous gardiez la maîtrise. Moi, ce qui, qui m'intéresse vraiment, c'était le côté marxiste tout à l'heure, c'était à dire qu'il faut avoir la propriété de ces moyens de production, euh, sinon ça ne marchera jamais. Et donc ne la déléguez pas et gardez-la et utilisez le logiciel libre pour ça. C'est un commun, il est là pour ça. Louis, tu voulais apporter un complément, ensuite on aura deux dernières questions et on clôturera là. Je voulais juste dire que libre, ça ne veut pas forcément dire gratuit qui a du travail derrière. Et quand on a fait l'observation tout à l'heure de l'angle territorial, notamment pour l'analyse des données et pour la capacité d'agir derrière, c'est en grande partie parce que quand on est sur une échelle plus réduite, on peut prendre le temps de lire et on peut avoir des personnes qui sont expertes de leur territoire pour interpréter. Si aujourd'hui 75% des contributions du Grand Débat sont dans un carton avec marqué bon pour allumer le feu, c'est peut-être parce que c'est trop grand, ou alors il faudrait prendre beaucoup de temps et, et, et travailler, comme vous l'avez précisé. Mais c'est des choses qui sont en train euh, d'être euh, progressivement mises en place. Et aujourd'hui, on ne peut pas affirmer qu'on a la recette miracle. Et quoi qu'il en soit, de mon point de vue, elle nécessite du travail humain et c'est une grande farce que de penser que ce seront des intelligences artificielles qui pourront faire ce travail. Hein apprenez à une intelligence artificielle l'ironie ou à changer une couche. elle n'est pas encore arrivée. bonjour. Euh, je pense que ça n'a échappé à personne qu'actuellement une caste, donc c'est emparée du pouvoir. donc je pense qu'on peut imaginer plein d'autres revendications. Du RIC et tout ce que vous voulez. Euh, le pouvoir ne va jamais rendre la, la, la caste au pouvoir ne va jamais rendre euh, la démocratie en France. On n'est pas en démocratie, donc on le sait très bien. Donc il faut arriver à reprendre le pouvoir. Pour reprendre le pouvoir, donc euh, c'est pour ça que je suis, je suis venu aujourd'hui. Euh, J'espère hein, qu'un jour on arrivera justement à, à créer un outil. Qui puisse, sur lequel on puisse voter, faire un peu de la votation, justement. Vous avez parlé comme euh, de ce qui se passe en Suisse, mais arriver à se, à se passer, justement, des élections euh, organisées en France, parce qu'on sait bien que les élections, donner le pouvoir donc à, à une personne pendant cinq ans, donner un blanc-seing, et euh, ensuite il en fait ce qu'il veut, euh, c'est un piège à con. Donc on sait très bien qu'il nous faut des votations et non pas des élections. Euh, donc euh, j'espérais que euh, euh, avec toute l'intelligence qu'il y a et toutes les possibilités euh, qu'offre le, le numérique, qu'on arrive à se passer justement de ce genre d'élection et arriver à, à, à inciter les foulards rouges entre guillemets, même s'ils n'existent plus, ils n'ont jamais d'ailleurs existé, mais à inciter tout le monde à, à s'exprimer sur, une, sur, une, sur des, des éléments concrets et de voter, 45 000, c'est bien, déjà, ce que vous avez pu faire, mais ce n'est que 45 000 personnes. Euh, Prêcher pour des convaincus, ben, malheureusement, tous dans la salle, nous sommes tous convaincus. Par contre, il faut, faut arriver à inciter d'autres personnes à, à, à s'exprimer. Donc, moi, bon, il se trouve que j'étais déclarant de, de, de manifestation parisienne. Il se trouve que le 27 janvier, euh, après une manifestation, euh, je suis allé le lendemain, donc euh, le dimanche, il y avait un. Le, le, le défilé des foulards rouges, et je me suis amusé donc avec mon gilet jaune à discuter avec des foulards rouges dans, dans, dans leur défilé de dix personnes. Et donc, en discutant avec ces personnes-là, en leur disant, bah, on a eu un référendum en 2005. Vous avez bien vu, en 2008, avec le traité de Lisbonne, ça ne servait à rien. Donc, on n'est pas en démocratie. Euh, je leur disais, vous avez les mêmes thèmes que nous. Euh, nous, en tant que Gilets jaunes, on veut de la démocratie, on veut euh, le respect, etc., etc. On voyait les mêmes slogans. Et euh, je leur disais, et les, les petites dames qui m'entouraient me disaient, en effet, il a raison, on n'est pas en démocratie. Il faut arriver à convaincre, donc, des, les, les non-convaincus, les personnes qui sont abreuvées par les, les, les médias. Et comment le faire? Donc, c'est pour ça que j'espérais qu'aujourd'hui on arrive à trouver, à... moi j'imagine par exemple un outil qui serait une espèce de plateforme, un portail, mais qui fédère déjà beaucoup d'informations et qu'on puisse, en plus du vrai débat, peut-être poser des points qui paraissent majeurs, c'est-à-dire que tout ce qui est sorti, tout ce qui était sollicité dans le vrai débat ne sont pas applicables du fait que nous ne sommes pas en démocratie que ce ne sera pas appliqué par par des députés, mais en plus donc on l'Union européenne nous empêchera d'en faire les trois quarts de ce qui était prévu ou ce que les gens réclament. Donc il faut poser les vraies les vraies questions et euh, demander le sentiment d'un maximum de personnes pour qu'ils répondent sur ces questions-là. Oui. Je voulais, je, je 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 voulais euh, voilà. euh, juste juste revenir sur ce que tu ce que tu as dit. Je me rappelle plus son prénom. Les personnes qui a parlé donc sur le fait que Cap Digital Aurait donné la plateforme euh, donc, euh, au groupe des Gilets jaunes et l'aurait vendue euh, au gouvernement. En fait, ce n'est pas ça. C'est qu'ils ont donné du temps euh, pour travailler, euh, je pense, avec, euh, avec vous, hein, que, que, je, que je sache, et ils ont fait payer leur temps pour, euh, pour le gouvernement. Et, et, après, tu, si tu veux, et, et simplement, le problème, c'est que c'est une plateforme propriétaire. Si ça avait été une plateforme libre, ça vous aurait permis d'apprendre peut-être avec eux, ils l'auraient fait gratuitement, et puis maintenant de continuer à posséder cette chose sur laquelle vous auriez développé un capital de connaissances, avec peut-être des développeurs dans votre coin ou ailleurs, en prenant des bouts, des modules, des, des, différents, des différents modules libres. Mais, mais en fait, ils, ils n'ont pas donné leur plateforme, c'est un système propriétaire, ils ont donné, ce qui est déjà pas mal, ils ont donné du temps, par contre ils ont fait payer au gouvernement qui pouvait payer. Pour. Pour être précis sur comment ça s'est passé, en fait, la plateforme de Cap Collectif qu'on a récupérée nous, nous a été donnée euh, gratuitement avant la création du, du Grand Débat. C'est-à-dire que le Grand Débat n'existait pas. Il n'était pas encore dans les tuyaux, il n'était pas d'actualité. Donc, ils nous l'avaient déjà fourni gratuitement pour la mise en place d'une plateforme régionale. Et ensuite, quand le Grand Débat a décidé, enfin, que, que le gouvernement a décidé de créer le Grand Débat, à ce moment-là, ils ont fait un tour certainement de, de, de gens qui disent ce qui avaient à disponibilité une plateforme de vote et ils ont fait appel à Cap Collectif. Et à partir de là, on a compris qu'on avait le même fournisseur. Mais c'est pas, ils n'ont pas d'abord euh, l'usage. Mais par contre, on a payé parce que ça nous a quand même... C'est-à-dire que à nous, ça nous a coûté le, le, les serveurs. Puisque la plateforme, l'utilisation de la plateforme était gratuite, et après c'était tout ce qui était, qui était serveur qu'il a fallu payer, grosso modo, pour comme ça au moins on parlera de chiffres. Le, la, la plateforme à nous nous a coûté 4200 euros, grosso modo, sur un coup quand le grand débat a coûté 12 millions. À bon entendeur. Mais on euh, était, on peut répondre à... on n'est pas loin. Une dernière intervention de Fawzi et après on clôturera euh, cette table ronde. en remerciant nos intervenants. Oui, donc euh, la question rejoint un petit peu l'échange qui vient d'avoir concernant euh, la communication du vrai débat. Là où on rencontre un véritable problème pour essayer de la faire connaître plus largement euh, à la population, on s'est employé nous à essayer de, de communiquer à travers les ministères, euh, à remettre un fascicule à chaque ministère, donc à chacun des représentants ministres des ministères. Où euh, on a fait une tournée, il y en avait 17. Hein, C'est ça, avec Priscilla, Jérôme et, euh, et Manu qui a filmé cette scène, juste pour essayer de les sensibiliser sur le fait qu'il existe simplement le vrai débat, contrairement à euh, la promotion qui a été faite euh, et le coup qui a été pris, euh, qui a été, qui a été le coup de, de, du grand débat, justement parce que je me souviens pour que le, le président de la République soit informé sur tous ses ministres. Même si on sait que bon peut-être qu'une fois qu'ils l'auront lu, ça ira à la poubelle parce que euh, on sait très bien qu'ils ont été nommés par ce gouvernement. Mais à savoir que euh, ce, qui, ce qui était important aussi, c'est d'essayer de, de, de trouver un argument pour qu'ils ne disent pas que ça n'existe pas. Et euh, deuxième chose qui est important, c'est de trouver une solution justement plus large ou par le numérique parce qu'il y a euh, levredébat.fr, où vous avez tout posté, les données, les réflexions, et euh, bon, il est large, mais les gens ne sont pas au courant, et quand on discute avec l'ensemble de la population, ils ne savent pas. Et je me disais, bien sûr, il y a cette histoire d'argent qui est relative aussi bien pour, on a pu l'évoquer ce matin par rapport au, à la communication aux médias indépendants et tout ça, on peut le voir aussi concernant le RIC ou quoi, où c'est selon les personnes qui veulent se l'approprier et qu'obligatoirement il y a un coût, à la première volonté qui était d'en faire des projets de loi, et on sait très bien que ben, c'est selon les gens qui se l'approprient qui en feront ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ce qui est plutôt intéressant, c'est euh, ce que les gens puissent découvrir dedans, qui, je pense, est euh, un vrai programme, euh, un vrai programme social de société et de vie, de l'aspiration d'un bel ensemble de la société. Peut-être pas tout le monde, parce que tout le monde n'y a pas participé, mais je pense que, en termes de, si on parle de démocratie, si on parle de, de pensée collective, si on parle de volonté aussi. Euh, de société, je pense que c'est un vrai outil. Alors, la vraie question, comment on pourrait mettre en place quelque chose qui permette de le communiquer plus largement et surtout de le faire, de le faire intégrer dans la pensée collective. Voilà. Merci beaucoup. Des alternatives. Alors là, je, je peux répondre... tu a l'air d'avoir le micro à la main, donc je te laisse une dernière remarque après. On... Ah oui. Mais alors là, ça va être très très vite. Je te... Très vite, on a, on a recueilli les, la quasi-totalité des articles de presse qui ont été écrits sur les Gilets jaunes depuis l'origine. Ça fait à peu près 117 000 articles de presse en France. Et on a comparé le nombre de fois que la presse, de façon tout à fait généraliste, euh, parlait du vrai débat et du grand débat. Le rapport est de 1... Euh, « Vrai débat pour 800 grands débats ». Donc effectivement, le vrai débat était totalement invisible dans la presse. Et Ce qui a donné d'ailleurs lieu à une séquence désolante sur BFM, où on allait voir un gilet jaune sur un rond-point en disant « Qu'est-ce que vous pensez du vrai débat ?» Et il rentrait dans une colère en disant « C'est une arnaque, etc. » Et donc l'article le, le, de BFM concluait « Vous voyez, le vrai débat, même les gilets jaunes n'y croient pas. » Alors qu'en fait, je suis sûr que ce gilet jaune, il avait simplement lui-même pas l'existence du vrai débat et il ouais. pensait qu'on le questionnait sur le grand débat. Juste pour, pour pour finir quand ils sont au courant. Y a on, des ateliers après pour, ouais, juste oui. mais mais juste c'est important parce que c'est ça, ça ça en est cool. On a envoyé un courrier aux 36 000 communes. Donner l'information du vrai débat pour les, les orienter à venir participer au, au vrai débat, à accès, à ouvrir des accès de salles pour justement éviter la, la fameuse fracture numérique qui a été un petit peu parlée ce matin, parce qu'on avait mis en place un cahier euh, du citoyen pour que les gens qui ne veulent pas participer sur Internet puissent le faire. Et ensuite, on a été aussi euh, invités par les garants du grand débat euh, qui nous ont sollicités, qui nous ont invités, qui nous ont fait monter sur Paris avec dans seul objectif de récupérer nos données. Donc ils sont au courant. Les synthèses étaient déjà sorties quand on les a rencontrés. Donc ils sont au courant. Ils savent ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ils font, comme on a dit, ils font les muets parce que ça ne les intéresse pas, parce que ça, ça, les, ça les met en difficulté parce qu'ils ne peuvent pas, c est, c est, ils ne peuvent pas détruire ce, ce qui s'est fait puisqu'ils ont fait la même chose sur le même outil. Donc c'est là où ils sont en difficulté. Merci beaucoup. Je peux? Bah, Peut-être que là, on va vraiment clôturer, parce que sinon, c'est pour laisser du temps aux ateliers. Donc, je vous inviterai à prolonger ces échanges tout à l'heure en atelier. Et il me reste à remercier les intervenants. Et encore, merci beaucoup d'avoir respecté les contraintes de temps. Désolé des frustrations que ça peut créer, mais il y a évidemment les, les, les ateliers pour, pour, pour prolonger les échanges. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que. Quand on parle de délibération, quand on parle d'organisation, on a l'espoir que le numérique accélère les dynamiques, mais on se rend bien compte que, numérique ou pas, s'organiser et délibérer demande du temps. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Clément. Merci aux intervenants. Donc, évidemment, vous restez avec nous maintenant pour approfondir toutes ces réflexions et élaborer les propositions collectives aux problèmes et aux questions qui ont été soulevées durant ces trois sessions.